Quand une personne te plaît, voici comment savoir si c'est réciproque à coup sûr. En 1967, il y a un professeur de psychologie du nom de Edgar Hess qui fait une découverte stupéfiante. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des étudiants à qui il projette un nombre important d'images avec des objets, des personnages ou encore des paysages. Et en gros, ce qu'il fait, c'est que pendant ces images, il mesure précisément comment est-ce que la pupille se modifie. Résultat, la pupille des étudiants masculins ne réagit absolument pas à la vue de monuments ou d'objets. Mais par contre, au milieu, quand on met la photo d'une femme nue, là tout de suite, on a une dilatation très importante de la pupille. Pour ce qui est des étudiantes, on a à peu près la même réaction, c'est-à-dire que la pupille se dilate quand elle voit un homme athlétique nu, mais également quand elle voit la photo d'un bébé. Et ça, c'est ce qu'on appelle le réflexe pupillaire. C'est totalement inconscient et incontrôlable, mais quand tu vois par exemple une très jolie fille, eh bien ta pupille a tendance à se dilater et donc à s'ouvrir. Maintenant, les découvertes ne s'arrêtent pas là, il y a encore quelque chose de très intéressant. Cette fois, ce qu'on fait, c'est qu'on prend deux photos exactement identiques de la même femme à laquelle on fait simplement une retouche sur la taille de la pupille. La différence ne se voit pas trop, mais il y en a une qui a une pupille bien plus grande que l'autre. Et résultat de cette expérience, c'est que les hommes déclarent que la fille qu'ils trouvent la plus jolie, c'est celle quand elle a les pupilles dilatées. Et ça, c'est trop intéressant parce que ça veut dire que quand quelqu'un te plaît, eh bien, tout de suite, tu deviens un peu plus jolie en plus de ça à ses yeux. Maintenant, ça va pas mal dépendre de la couleur de tes yeux, puisque si t'as les yeux clairs, eh ben, c'est beaucoup plus simple de voir si ta pupille est dilatée ou non. J'espère que cette vidéo t'aura plu, tu peux t'abonner parce que...